bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Book of Words. On est toujours en live et pendant que ça travaille, on va faire le point sur les livres qu'on peut lire maintenant avec Ixos. Ça on peut le lire, ah mais c'est 16 de Hertz, oui, 16 de Hertz c'est un peu costaud. Ça on sait pas lire, ça non plus. Est-ce que tu ferais pas mieux de les mettre langage à côté de langage en quelque sorte ? Ce serait sûrement plus pratique de les mettre langage à côté de langage, mais j'ai un peu la flemme. J'aime bien mes livres, comment ils sont rangés. C'est pas bien de toujours optimiser. Le full scene, on l'a pas appris. On n'a pas appris le full scene encore. Toi, 10 de rose, en fait, ça se fait carrément en plus. Ça, c'est de l'aramaïque, on sait le lire. 14 de rose, hein, 14 de rose, c'est un peu gros quand même. Ok, c'est tout. C'est tout. Bon, sachant que lui, on pourra pas le regarder non plus. Mais ça veut dire qu'il y a probablement un autre projecteur quelque part avec avec les bons trucs, sans doute dans ce coin-là. Un peu de sel, Mazatzel, Sagindok, incandescente holo, ouais. Ok, on va reposer notre ami un encore tôt, on va faire une petite sieste avec le Surt, on va pas dépenser de sous. Avec le Whist. Avec un petit verre d'eau. Ça va, un verre d'eau, c'est pas trop cher, on peut faire une petite sieste avec un verre d'eau, Chobiti. Non, c'est pas bon, l'eau. Ah bah, après c'est un râle en plus. Non mais franchement. Hop, au boulot. Ici. Hop, c'est parti. On fouille. Du coup, toi... On peut te filer la préparation de Salomon tout de suite. Hop. Toc, voilà, ça c'est généré. On est d'accord que c'est persistante. Ouais, comme ça. Il est prêt en cas de besoin. On peut même faire du Evolve avec éventuellement. Mais je crois qu'on n'a rien de prêt. En scolécosophie, on a tout fait. Ouais, ça c'est attune, là c'est bon. Celui-là, il est vide. Et le chien, il est vide. Donc c'est bon. Et Oromachistry, ouais, non, j'avais le vérifié, c'est le... Celui-là, il est vide. Celui-là, il est vide. Celui-là, il est attune to metal, mais on n'a pas de metal. Et la cloche est en train de bosser, mais on n'en a pas. Quoi, non, pour l'instant, c'est pas intéressant. C'est de là, le Evolve, il nous intéresse pas. Et le Evolve, il y a Birdsong, d'ailleurs, je vais vérifier quand même. Birdsong, ah, on en a un qui est pas mal avancé, là, qui serait à Thune to Chor. Ah, mais on a du Sky, et Chor, c'est quoi? Earth, ah oui, on pourra même le faire tout de suite, celui-là, ça veut dire en vrai. Parce que les instruments, souvent, ils sont de type Earth et... ou Sky. Voilà. Alors par contre, il est fatigué, l'hôte. Ouais, il est fatigué. Bon, pas grave, on le fera demain. Mais il n'y a pas de... Ça ne pense pas aux soucis qu'il soit fatigué. Je pense pas qu'on puisse le faire évoluer s'il est fatigué, ouais, non. Ce serait un peu abusé. Ça veut dire qu'on peut travailler toute la journée et après les faire évoluer. Oui, enfin, ça... Après, je peux payer pour le reposer. J'entends pas d'écho, ça doit être un nom. Alors, ici, on a lu le Tantrin incandescent. Magnifique. Alors, ce sont des dialogues avec une entité qui est appelée le Crucible Prince. Le prince prévient à propos des appétits de sa maîtresse, la Burning Queen,
Les périls des désirs de nudité qu'elle partage avec le soleil. Mais il dit qu'il est quand même loyal. Ok, très bien. Un rite qui change est nécessairement un rite qui détruit. Mais un grand changement nécessite une destruction au moins aussi sauvage. Arrête, fais le sec, je paye pas, ce sera risqué. Eh bien, c'est du foresight, hein, ce incandescent de Tantra. Alors, tac, 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 foresight, mon crayon. Incandescente, c'est ça? Sainte Tantra. Ok, parfait. Je crois qu'on n'a plus de place par contre dans Foresight. C'est là, il me semble. Ouais, donc on va le ranger là-bas. On n'a plus beaucoup de place non plus en vrai. Hein. Non, on peut plus mettre de trucs. On va le mettre là. Et l'autre. The Twin Serpent Tantra, eh ben. Alors, juste avant les débuts de la Grande Guerre, Alexander Sparrow, presque certainement un pseudonyme, a publié des pamphlets qui prétendaient qu'il y avait l'influence d'un prince des serpents qui influençait le monde. Et le texte appelle le Twin Serpent Tantra comme son inspiration première. Fort bien. J'ai pas de chaise, le chat! Rien, il est installé là depuis des heures. Ça se voit, il fait déjà dodo. Le tantra décrit le prince avec un grand chaperon. Une dynastie qui n'a pas des origines très claires, engagée en prière, sacrifice et poésie en honneur du serpent-clé. Ouais, ok. Alors, il est décrit comme ayant échappé à l'histoire de sa mort vers une histoire où il vit toujours. Quelqu'un qui a encore un journal magique, ça. Alors, le texte prétend qu'il y en a maintenant 108. Bah, 108 Great Hooded Princes. Mais avant qu'ils commencent à travailler sur leur chronique, il n'y en avait que 54, 40, 40. Bon. C'est un pattern. 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 On a bien évidemment rangé par ordre alphabétique. On peut pas le ranger par ordre alphabétique, on sait pas quand c'est ce qu'ils arrivent. Mais oui. Non, là, on est d'accord que le faire sur PC prend tout son intérêt. Hein. Pour les retrouver facilement. Mais c'est sympa d'avoir un carnet, j'aime beaucoup. Un petit jeu où on peut utiliser un carnet, ça change. Le Twin Serpent Tantra. Qu'est-ce que dit Falsac Chobiti? Tu sais bien que pour un chat, tout est à lui, mais que de temps en temps, il veut bien le prêter à ses humains. C'est ça. Je me suis levée 3 secondes de la chaise. Il y a un chat dessus. Et dans la pièce d'à côté, eh ben, il y a un chat qui est sur un fauteuil avec un coussin et une couverture. Comme si tout était à lui. Incroyable. Incroyable. Moi, je voulais juste une vache. Ici, on travaille avec lui. On n'a pas encore généré le numen. Alors, par contre, les leçons, du coup, je crois qu'on les a toutes les deux. Hein. Ouais, ça, on a niveau 2. Assieds-toi sur le chat. Quelle bonne idée. Oh, Hermès, bah oui, on va s'asseoir sur toi. Tu vas faire un gros ronron, tu seras au chaud sous les fesses. J'ai 6 chats sur moi, c'est pareil. C'est pareil. Il fera comprendre que c'est à toi. Alors, niveau 2. Donc, il faut deux souvenirs de type Moss. Ah, on a ce qu'il faut déjà. Forge.
On a ce qu'il faut, ok, très bien. Et Edict Liminal, il est niveau 1, donc il nous en suffit d'un seul, et on a celui-là. Ok, on peut travailler sur nos leçons. C'est parti. Déjà. Par contre, il faut du forge ou du moss. Ok, alors attends. Là, il faut du knock ou du moss. Ah merde, non. On a utilisé tous nos chapts. Une fois qu'on a besoin des chapts, il va nous falloir un chapt. Pas très grave. Hop, on va travailler là-dessus. C'est cool, là, on va pouvoir faire monter un peu ces skills-là. On va peut-être pouvoir les mettre quelque part dans le... Dans le livre, dans le, l'arbre de la sagesse. Alors, t'es à combien? 9. Donc il faut qu'on te monte à 10 avec le couteau. Ça, 10. Ça laisse le temps de terminer de lire le numen qui doit être là, j'imagine. Là. Et on aura notre 10. Et du coup, on va le relire, comme ça il sera reprêt. On met ça. On met ça, on met le langage. Ça va prendre 60 secondes, c'est ça. Du coup, on a le temps de terminer ça et de filer celui qu'on a déjà au Coffin Maker. Qui après ira travailler dans le super truc avec la, la porte verrouillée fermée et tout là. Je le sens bien cette pièce. Ben oui, il est content. Il est assis, il fait ronron. Si on va travailler un peu. Est-ce que je peux travailler avec ça? Ouais, c'est parti. Alors, on a ça qui est level 2. Ok. Et là, on a bientôt terminé la sieste. On pourrait presque en refaire une avec un chapt si on veut avancer sur nos leçons aujourd'hui. Donc on a les souvenirs tout près. Hop. Voilà, il va être à 15. 15, c'est pas mal, franchement. Je suis content de pouvoir le monter quelqu'un à 15. Alors, la sieste est finie. On va envoyer un chapt avec un verre d'eau. Il va falloir en refaire des verres d'eau. Bah y est, c'est en cours. On est en train de puiser au puits, là. C'est parti. Pas sûr que ça passe une tranche, je me demande si 3 minutes, c'est pas une journée entière. On a trouvé un des trucs pas hyper intéressants. Caillou. Ça, on le garde. Ah, mais on a ça qui est de type moss, j'avais oublié. Donc, on pourrait le faire, en fait. Vérifions. Toi, va-t'en. Si j'ouvre ça, que je mets ça dedans. Ensuite, ça. Ensuite, ça et ça. Je peux mettre lui. Ah, oui, ça passe. Parfait. C'est parti, on monte ça au level 3. Ouais, ça nous sert pas. Et ici, il faut du rose, du heart ou du moon. Du coup, toi, tu vas nous servir à quoi? Bon, on va peut-être travailler de nouveau à la taverne avec lui. Pas pas mal. Au boulot. Alors, on a lu ce sympathique livre, The Ascendant. Et à mon avis, vu qu'il lisait ce langage-là, le mec, le bouquin qui nous manquait, ça doit être un bouquin en type lanterne dans ce langage-là. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Plus doux que le vin... Plus doux que le vin, plus doux que le nectar est le sang de mon frère. Ok. On a chacun levé une armée l'un contre l'autre.
On a recouvert le Blackbone avec nos bateaux. Alors, visiblement, la sœur ne peut pas défaire son frère sans mourir elle-même. Elle ne le veut pas, mais elle est tout à fait consciente, ce qui la frustre énormément, qu'elle n'est qu'une pièce du bateau. Enfin, pas du bateau, mais on the board, donc ouais, une pièce du plateau plutôt. Une part essentielle de l'engin éternel de contention que le Lion Smith et le colonel utilisent pour diriger le monde. Oh putain la vache, qu'est-ce que c'est que ce livre encore? Tout ça est compliqué. Zut, j'ai pas regardé, ça fait quoi? Contradiction du coup. Contradiction. C'est un assez récent qu'on a fait, ouais, c'est ça. Alors, contradiction. Il s'appelle The Ascendant. Regarde, c'est ça, c'est un crayon. Hein. Alors, l'autre, The Kingling Flame. L'amalgame de la rose rouge. Alors, les enregistrements par la maîtresse de la fleur rouge. Les opérations alchimiste, pardon. Préférée de la maison de Lancaster. Ah, je me souviens qu'elle nous avait déjà fait la maison de New York et compagnie. Elle doit faire régulièrement des trucs là-dessus. Alors, le général de la maison de Lancaster et de York sont décrits comme des frères ennemis. Un terme qui parle plus des fameux Edgelong dont on vient juste de lire le livre avant. Comme par hasard. La conclusion de l'auteur est que, en l'absence des opérations de la route de l'aube, les opérations du coucher de soleil sont inévitablement devenues non balancées. C'est n'importe quoi, ces livres. Putain. La vache. Celui-là, je crois qu'on l'a jamais eu. Ça nous donne un Foresight de nouveau. C'est pas long, le Foresight. Pattern, le dernier qu'on avait fait. Foresight. Alors, l'amalgame de la Red Rose. Amalgame of the Red Rose. Et du coup, on n'a plus de place pour le Foresight. Ça n'a pas changé. On commence à avoir plus trop de place pour les livres qu'on a pas lus d'ailleurs. Les mettre ailleurs. D'ailleurs, toi, bon, enfin, c'est pareil, il n'y avait pas la place, donc on va passer à l'étage du dessus. On va commencer à remplir là. Mettre l'encre à un autre endroit, probablement. Faire un peu de place. La caillasse. On a bien trouvé un endroit dehors où la mettre, non? Tiens, sur la chaise, j'ai vu que tu pouvais te mettre là. Voilà, parfait. Ça, je me souviens que ça peut nous servir dans une recette d'avoir de la glace. Donc, ici, ça travaille. Ici, ça travaille. Point de vue des leçons. On a trouvé un édict martial. Celui-là, on l'a déjà. Niveau 3, ok. On a celui-là, on a celui-là. Celui-là, il est tout neuf. On l'a jamais eu, je crois. Voilà une bonne journée de lecture, exactement. Donc toi, c'est toi qui es en train de travailler, hein, c'est ça. Et on est en train de reposer un truc, donc éventuellement, on pourrait faire quelque chose avec. Il nous faudrait, il va être niveau 4, il nous faudrait, il va être niveau 4. Hein. Level 3, non, il va être level 3, donc il va nous falloir 3 souvenirs. 3 souvenirs de type forge, on en a un, et de type moss... On n'en a aucun. Ouais, donc on pourra en générer deux en utilisant ça.
Et avec le shaft qui est en train de se reposer, on pourrait monter ça de niveau. Mais on n'est pas aux pièces. Ce que j'ai d'abord envie de faire, c'est de régénérer du truc de Solomon. Pour ça, il me faut une algue. On avait trouvé une algue en bas, là. Ici, viens. On va au labo, on met ça, on met ça, on met ça. Et on fait la préparation de Solo. C'est parti. Et avec ça, on va voir si on trouve des bouquins éventuellement catalogués. Sinon, on retournera travailler pour faire quelques sous. Et on a de la leçon à dépiler, mais c'est de la leçon qui est pas très très forte, donc ça va. D'ailleurs, est-ce que je pourrais pas m'en servir avec ça? Non, c'est forgé, elle, donc ça marchera pas. Par contre, on peut l'apprendre. Ouais. Une nouvelle leçon. Et là, on a juste régénéré le souvenir, comme ça, on l'a sous la main. Ok, on a 6 pence. Et on a de la glouche. On va servir. Ça prend moins de place dans un verre. Collecte, on remet. Hop, voilà. Et on a deux verres de nouveau. Alors avec le chap qui se repose, on va pouvoir monter celui-là par contre, parce qu'on a un souvenir au moins de type forge. Un souvenir de type edge d'ailleurs. Hop là. Méniscate, réflexion. Without is purified, within is erased. Très bien, ça c'était quoi qu'il fallait déjà? 7 hertz, ah oui, c'est compliqué ça. Ah, on a restauré la chambre la plus profonde. Miam, pas de livre. Oubliette containment. Du feu, du fer, de la poussière, de l'air. Tout en regroupé en une configuration prévue pour confiner quelque chose de très dangereux. Cette quelque chose est parti depuis longtemps, mais la configuration a toujours son utilité. Par exemple, on pourrait se mettre dedans pour évoluer un soul. Ah, je pense que c'est une bonne idée. Idastri. Idastri. C'est là. Attune to Faust, on en a qu'un. Celui-là, on l'a déjà fait. Quasiment sûr, ouais. Et ça, c'est déjà fait, ok. Si on trouve un autre Faust, on pourra probablement le faire. Mais c'est sympa cette pièce encore. Oubliette. Alors, qu'est-ce qu'il a confiné? Colors a confiné. La flamme dans une chair humaine. L'ombre éclatante d'un futur éclatant. A name of Grid and Time. Il a réussi à enfermer une heure là-dedans. Ok, très bien. Tout ça est fort intéressant. Est-ce qu'il y a un truc qui ressemblerait à quelque chose de film? Non, là ça a l'air d'être plutôt une pièce de dodo. Il y a un truc bizarre là. Bon. Et bah ok. Pas de livre, donc on va aller, je pense, je vais vérifier, mais on est d'accord que on n'a pas de leçon avec ça.
Et on n'a pas de leçon avec ça, donc on va travailler la taverne avec notre Faust. Pas tout qu'il soit amélioré ou pas, il donne 6 pence, donc bon. Autant travailler avec. Ok, Chapt est revenu et la journée n'est pas passée, donc ça c'est cool. Et du coup, avec Chapt, on a dit on doit pouvoir faire ça. Non, il faut l'autre. Il est là. Tac, 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 et tac. Et on le passe à level 2. Toujours ça de prix. Et du coup, il nous en reste pas mal d'éleçons à faire. Hein. On va voir de quoi travailler demain. On va mettre des choses au dodo. On va pouvoir en mettre un au dodo après, ce qui nous sera vraiment utile. On peut mettre intuition ou confounding parable. Tous les deux sont de type moon. Donc, ils pourraient nous servir. Ok, on a fait notre préparation de Salomon, on va la mettre à la cuisine. Et toi, tu passes niveau 2. Ouais, alors je pense qu'on va en mettre un au dodo, je sais pas lequel, mais... Un des deux. Parce que là, on a besoin de Moon pour celui-là. Et celui-là, il est assez avancé, je crois. Hein. Ouais, il est... Bon, ça va, il est level 3, on va avoir besoin de 3 souvenirs. On va avoir besoin de plein de souvenirs demain. Et peut-être qu'on va pouvoir ouvrir Grêle 14. Scale 14. On a personne qui fait du scale. Edge de 13 ou Rose ou Moon 14. Ouais. Le Edge de 13, on peut peut-être. Mais ce serait peut-être même plus intéressant de descendre avant. Un nuage de mouette. On va envoyer le forgeron avec un sable dedans, ça va les calmer. Les mouettes. Les mouettes. J'ai noté le forgeron. Je veux avoir un œuf de mouette. Je veux un œuf de mouette. Ah, il a deux en edge, le forgeron. Je veux ma mouette. Ma mouette personnelle. Tu veux une mouette personnelle? Mais on en a une mouette. Je sais plus où elle est, mais je suis quasiment sûr qu'on en a une. Je sais plus où on l'avait foutu. À force de les mettre à des endroits rigolos, on les retrouve plus après. On avait fait éclore l'œuf de mouette, je suis quasiment sûr. Mais je sais pas, il y a un œuf de mouette à côté de la mouette, mais est-ce qu'on l'a fait éclore? Je crois qu'on l'avait fait éclore. Non, c'est pas un œuf de mouette, ça c'est un truc d'ombre. Ah. Oh. Alors après, en Grail, c'est peut-être le moment d'utiliser une poupée aussi. Hein. 6 de Grail, elle a 2 machines. Elle a 2 ou 1 ? Mr. K, il a 2. Donc, on met ça, on passe ça à 8. C'est Ereb qui est le plus avancé en Grail. Il y a Tchor aussi, mais Tchor c'est 2. Donc, ouais, 8 et 12, on sera à 12. Il nous faut combien ? 14 ? Ouais, on rajoute un souvenir et on pourrait ouvrir le mazet de sel. C'est la nuit, il faut que je mette un souvenir dans le lit. Oui, bon, sûr qu'on avait fait le bébé mouette, mais peut-être que non. Hein. Ça manque d'un truc de recherche. Pouvoir dire, tiens, je veux chercher tel truc dans l'intégralité de la maison, et il te dit, tiens, c'est là, c'est là. On l'a pas mis du côté de l'arbre avec le cimetière. Là je pense pas, non. Je me souviens qu'on l'avait mis dans le patio. Je pense qu'on l'a mis à l'extérieur, ouais, mais je sais pas où. Je pensais le patio qui était là, mais t'as dû me dire que non, qu'il n'y avait pas d'endroit où est celui-là. Là, non. Non, je vois pas d'endroit. On a mis ce truc-là. Merci, Xebus. Salut, Xebus. Merci pour le raid. Bonjour à tous les viewers. Bonjour, Chrysotep, Morpheus, Xebus, bien sûr. Et Dragna.
Un duo plus calme. Ah, parce que il s'est énervé sur Dof Romantique, l'ami Xebus, quand même. Xebus. Ça s'engueule à deux sur un jeu de réflexion. Et salut Oref. Ah, il y a Mawa qui s'est stressé sur Dof Romantique. Après, je comprends, hein. Mais non, mais c'est qu'on a perdu notre mouette. Ouais, là, on était en train de chercher. Je suis quasiment sûr que j'ai fait éclore un œuf de mouette à un moment, mais je sais plus où j'ai mis le bébé mouette. Je ne le retrouve plus. Mawa a failli tuer Xebus 8 fois. Ah oui, 8 fois, c'est beaucoup quand même. Surtout sur une partie de Dof Romantique. Parce qu'il a fait du caca ou parce qu'il voulait pas écouter les conseils? C'est ça la question. Parce qu'il a fait du caca en ne voulant pas écouter les conseils, peut-être. Non, peut-être qu'on s'est dit qu'on le ferait, qu'on l'a pas fait. Hein. Il y a tellement de trucs qu'on ferait, qu'on n'a pas fait. Tiens, maintenant, il est là, l'œuf. Ah, on n'a pas fait que notre œuf de mouette. Eh ben, on va faire ça demain aussi. Ça fera plein de trucs à faire, comme ça, demain. C'était un stream zen du dimanche matin. T'as trigger des choses, effectivement, on joue pas de la même façon. Ah bah, c'est vrai que Dof Romantique, il y a beaucoup de manières d'y jouer, mais il n'y en a quand même pas des masses qui nécessitent d'étrangler quelqu'un. Toi, tu joues mal. Ah oui. Alors, si tu joues mal... En plus, je suis sûr que t'as pas fait le tuto. Allez. Hop là. Renounce, non. Alors, on va mettre ça. Un truc qui va pas trop nous servir aujourd'hui, ça. Un full death, c'est 6 minutes. Ok, très bien. Et salut Bradzev, bienvenue sur le live également. Alors, on a dit qu'on devait faire venir notre sage-femme préférée. Avec un petit RM, du coup. C'est parti. Tu connais Xebus, dès que le jeu est beau, il n'a pas l'habitude. Ah ouais, en plus, là, faut regarder. Il y a différents... biomes à regarder, il faut coller les trucs, c'est pas des pixels. Ouais, j'imagine qu'il a dû être un peu perdu. Ouais. Je comprends. Du coup, il va nous falloir plein de souvenirs, nous, pour notre journée, là. Alors, si on fait le point. Transformation et libération, c'est level 3. Donc, il nous faudrait 3 souvenirs de forge et de moss. Ouais, on en a pas tant, hein. Là, il nous faudrait souvenir Nock et Moche. Il nous en faut 2, c'est carrément faisable. Et là, il nous faut un souvenir de type Moon qui est déjà dans le lit. Il nous en faut 3 aussi. Ok. Bon, à la recherche. 2. Alors là, on a un Nock déjà. Alors, vu qu'on n'a pas tant de souvenirs de type Moss, on va faire le Nock. Il nous faut aussi les trucs qui vont bien. Hein. Donc on va garder de côté des chaptes, on va garder de côté des cerises. Et ça, c'est metal. Très bien. Donc il faut qu'on lise avec genre else par exemple. Parfait. Hop. Donc on a un souvenir de type knock. Là, on a un souvenir de type Moss. On va le faire. On va lire ça avec un whist. Ça devrait pas nous servir trop aujourd'hui, sauf si on refait du Solomon. Bonne app, Morphée. Merci d'être passé. Même si je sais que tu as été entraîné de force. Et du coup, Xebus, bonne pause avec Mawa. Alors, je sais pas, Xebus, si tu sais, mais il y a un jeu de société Dof Romantique. Et honnêtement, il est vraiment très bon. Ils ont réussi à faire un truc vraiment sympa, où tu peux construire le jeu à plusieurs, justement, tu peux jouer vraiment à plusieurs dessus. Et t'as une évolution, tu débloques des nouvelles cartes, ils ont fait tout un chemin où vraiment tu résous des quêtes, tu peux vraiment débloquer des nouvelles cartes, enfin, il est vraiment pas mal. Très intéressant. Je me regarde souvent en mode AFK au boulot. Ah bah écoute, pour une fois tu vas manger. Ça change. C'est gentil de... J'aime bien. Merci. C'est cool de lurquer un peu. On n'a pas fait de forge encore. On a fait pas mal de knock. Alors celui-là il est knock et moon, donc il nous servirait pour celui-là et pour celui-là. Merci pour le follow, Chrysotep.
pensais que tu followais, mais en fait non, bah écoute, peut-être que tu m'avais raté. Est-ce qu'on avait changé? Non, ça a toujours été cette chaîne-là, parce que j'ai un compte perso aussi, tu t'as peut-être suivi mon compte perso en me voyant un jour passer sur un stream de Xebus. Ça, c'est possible. Edge Scale, alors celui-là de type Edge, mais on va se détendre un peu, il me faudrait du Forge. Là, on a du Moon aussi. Non, il faut du Forge. Il faut un Grail pour machine. On va lire ça avec un else qui ne nous sert pas dans le contexte. Forge. Là, il y a un forge, un autre forge. Il commence à être en déj de bureau. On va lire avec le Wits. C'est lequel que j'ai pris? Je sais plus. C'est celui-là. Ok, donc là je peux prendre. Non, c'est... ah zut, je sais plus lequel j'ai pris. Regret ou Foresight? Zut. Tac. Le livre c'était quoi? Vinzen Mingling, c'est Foresight. Quoi, le carnet ça sert, donc on peut générer un regret avec le bureau qui est en haut et on sera en cours de bureau. On va utiliser notre dernier else, c'est parti. Voilà, ok. Là, on génère la race de trucs. On a le numen de près, on a celui-là de près. Est-ce qu'on ferait pas lui Nokmos? Ouais, ça pourrait être pas mal. Et on va utiliser Batchor, le dernier qui nous sert à rien. Hop. Voilà, c'est parti pour bosser un peu sur des souvenirs. Je laisse le temps passer 2 secondes pour boire un coup, et c'est le drame, il y a plein de trucs qui se passent. On a récupéré un Moon and Moss ici en temps, c'est plutôt cool. Alors là, ils veulent nous vendre des Bellis Murorum. Ça parle de quoi? Discipline of the Scare. On en est où là-dessus? Du niveau 1, ouais. Bon. On nous reste ce qu'il faut, il nous reste juste pile ce qu'il faut, mais... c'est pas intéressant, je pense. On va passer... Alors, Mrs. Kyle, on va tout de suite mettre le RM, comme ça, au moins, on n'oublie pas. Et on va tout de suite mettre lui à se reposer, pour avoir un peu d'arabe de soul, d'aspect of the soul. Alors là, on n'a pas assez. Hein. Toi, il nous faudrait du moss. Non, dans tous les cas, il nous faut 2-3 souvenirs. Là, on en a 2 de type moon quand même. Hein. C'est pas si mal. Hop là. Donc là, on en a 3 normalement. Donc ça veut dire qu'on devrait pouvoir faire... Toi, moon et edge, non. C'est... Toi... Bon, mais un truc comme ça, un truc comme ça, un truc comme ça, et on a ce qu'il faut, on met un thrist, et on le passe level 3, parfait, en avant. 30 secondes, c'est pas mal. Alors, Mrs. Kyle, on a dit qu'il fallait que tu travailles avec la petite poupée. Alors la poupée,
La meilleure poupée, c'est la 6. Hein. Ouais. Hop. Alors, on la passe à 12 déjà. Ensuite, on lui mettra le souvenir qu'on est en train de faire. Et elle sera à 14 et pourra aller s'occuper de ce Mazetzel. Par contre, ça, c'est de l'usage unique. Hein, donc. Ok, on est passé level 3 sur ce truc-là. Et on a généré plein de souvenirs. C'est parti. Hop, souvenir, 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 un souvenir et un souvenir. Voilà, alors là, on va pouvoir se faire un peu plaisir. Donc, toc. On met la leçon. 1, 2, 3. Ça, c'est Edge et Moon. Ok, donc on peut cramer cela. Voilà, les trois forges. Parfait. Il nous faut un petit effort de type forge. En avant. Et donc après, on a toi, Edge et Moon. Donc pour l'instant, on en a trois. Ça c'est Nock. Alors ça c'est pour la Missy Sky. Ça ne servira à rien pour le moment. Donc là on en a 3. Et il nous en faut 3. Ok, après il nous en faudra 4. Donc déjà les 3. Déjà les 3. Hop. Reviens, il faut qu'on utilise le bon souvenir, c'est celui-là, Beginning Melody, voilà. Et elle sera à 14. Parfait. Parfait, parfait, on a plein de choses à faire. Là. Alors, niveau 4, avec ce truc-là, on pourrait le mettre dans quoi? Illumination ou Itastrie? Itastrie, ça pourrait être intéressant d'avoir un 4. Ou Illumination, c'est là. 1, 2, 3, 4, il faudrait du 5. Mais on pourrait le mettre là, par contre. Si on le met là... nous donne du Faust. Et bon, on va prendre. Hop. Voilà. On progresse sur l'arbre de la sagesse. Et ça, ça fait plaisir. Du coup, on va travailler sur Edict Martial, qui lui est déjà attuned sur un truc, et en plus, il a été fulfide, mais on peut quand même l'améliorer pour avoir des meilleures compétences. Donc on met la leçon. Il nous faut 1, 2, 3. Non, 3. Voilà. Un effort du bon type. Et c'est parti. Donc après, il nous faudrait potentiellement 4 souvenirs de type Moon ou Edge. Plus. Il faut qu'on garde celui-là qui est de type Edge. Ok, très bien. Donc on peut là, on peut le faire. Hein. On peut en terminer avec nos leçons aujourd'hui, je pense. Donc déjà. Moon ou Edge, donc pas toi. Pas toi. Pas toi. Non. 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 Là, on en a un. 2, 3, 4. Ok, parfait. Nickel. C'est parti, on a ce qu'il faut. Juste faire attention de garder le... le metal. Toc.
le Stolen Secret. On peut le lire avec Faust. Et un Fear. On va le lire là-bas. Ici. Avec un Faust. C'est parti. On va attendre un petit peu de voir ce que ça donne la pièce là-haut. Faut déjà ouvrir, hein. Faut que elle termine. Voilà. Et du coup, on peut l'envoyer travailler ici. Là, on avait reposé Reb, donc on va attendre un petit peu de voir si on a des livres potentiellement à cataloguer ou un truc du genre. Allez, est-ce que je pourrais pas mettre l'un des deux là? Non, là je peux pas les mettre. Dommage. On est déjà à moitié du summer, hein. Le temps passe, le temps passe. On est level 4 sur celui-là, parfait. Peut-être pouvoir commencer à faire du edge d'un peu haut niveau. Alors si, tiens, ce qu'on peut peut-être faire, c'est nourrir la poule. Pendant ce temps-là, alors la poule, elle, elle veut du lait. Hop. Voilà. Ça, si jamais on a besoin d'eux pour le reste des animaux, au moins, on sera couvert. Alors, un souvenir. Un souvenir, un souvenir, et un souvenir. Édict martial. Hop. Tac, 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 tac. Et tac. Level 5. C'est parti. Là, on a bientôt terminé d'ouvrir ici. Ah, encore un endroit sympa, je sens. Ah, ah. Ok, c'est une genre de chambre avec un gros cristal suspendu au plafond. On a du vin ici. Un vase. Tutti Pointer. C'est cool. Et ça fait quoi, ce machin? Chrysalis. Ah, mais ça, il y a le cœur qui bat, quoi. C'est un truc vivant. Quelque chose pourrait émerger si seulement on pouvait lui assurer une histoire qui lui plaise. Jusqu'à ce moment-là, ses rêves sont peut-être audibles à ceux qui appuient une oreille suffisamment fort contre son truc. Bah, c'est exactement ça, Falsac, visiblement un cocon géant qu'on pourrait peut-être faire éclore potentiellement. Il faut un dorsal et un ventral. Ah, c'est rigolo, on peut mettre ces trucs là-dedans. Direct. Un papillon géant, bah ouais, ça fait un peu penser à ça. Mais surtout, ce que je vois par contre, c'est que c'est un Evolve via Bosque, et on n'en a pas des masses des Evolve via Bosque. C'est même pas le premier qu'on trouve. The Bosque, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ce truc-là, Drum and Dance. On pourrait peut-être faire évoluer le Health. On pourrait sûrement faire évoluer le Health parce que c'est du Nectar. Et le Health, il est de type Nectar. Donc on pourrait faire évoluer nos Health. Ça, c'est cool. Il y a la Perle aussi. La perle qui est attuned to health mais qui est pas du bon type. Il y a insecte et nectar qui est attuned to Ereb. On pourrait potentiellement faire évoluer le Ereb. Et il y a ce truc là qui est attuned to Ereb aussi. Il nous faudra un autre Ereb et on pourrait faire évoluer le Ereb. Mais du coup on va pouvoir faire évoluer. On avait trouvé qu'on pouvait faire évoluer le Chor.
et on va pouvoir faire évoluer le L. Donc demain, on fait évoluer des aspects, du coup. Par contre, on n'a absolument rien à faire avec ça. Donc on va aller travailler pour terminer la journée. Allez hop, c'est parti. Et ouais, je sais pas si on peut le faire éclore ou si... Parce que ça dit que il faut une hospitable history, et des histories, c'est genre des numènes, quoi. Donc, y a peut-être moyen. Demain, faut faire sortir le papillon. Ouais, alors, je m'avancerai pas dessus, quand même. Hein. Si c'est le cas, ça doit être un méga challenge. Hein. Ok, ça, c'est level 5. En tout cas, le bruit de cœur qui bat... ça fait pas très papillon. Mon avis, c'est une autre saloperie. C'est cool comme challenge. Ah oui, non, on est d'accord. C'est cool comme challenge. Allez, la poule, elle est remise. On est d'accord qu'en RM, on en a qu'un. Ouais, on en a qu'un. Alors, est-ce qu'il y a éventuellement un souvenir qu'on va pouvoir stocker pour la nuit? Ouais, on va pouvoir stocker le Secret Threshold. Bah, c'est toujours ça de prix. Par contre, là, la fin de la journée va être calme. Hop, un petit peu de sous. Toujours un must-have pour les Chobiti d'avoir un petit peu de sous. J'adore le concept de souvenir, quoi. Ce n'est pas facile de dessiner nos propres portes, mais ce n'est pas impossible. Parce que pourquoi pas. Hop là, c'est parti. Ok, bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode de VOD Live, faire une heure. Comme celui d'avant était un petit peu plus long, et bah ça sera bonus. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, c'est le bon moment. Je bois mon petit coup. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.